J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors aujourd'hui, après un mois et demi d'absence, on se retrouve pour un haul parce que c'était la prochaine vidéo que je voulais faire. Je voulais pas faire d'autres vidéos tant que je n'avais pas tourné mon haul parce que c'était la chose qu'on me demandait le plus sur Snapchat et Instagram. Le souci, c'est qu'on était en période de confinement. Du coup, mes commandes, elles prenaient énormément de temps à arriver. Surtout ma commande Fashion Nova, celle que j'attendais le plus, elle a pris un mois et demi à arriver. Du coup, je pouvais pas tourner une vidéo qu'avec quelques articles. Après, Pretty Little Thing, ça arrivait, mais il y avait plein de choses qui m'allaient pas. Donc, j'ai dû renvoyer, recommander, le temps d'attendre et tout. Ça a pris énormément de temps. Mais aujourd'hui, je suis là, mieux vaut tard que jamais. En plus, mieux vaut tard que jamais. Le tard, là, je vous dis, j'ai des bons trucs. Franchement, j'ai chopé des bons trucs. Carrément, j'ai fait d'autres achats sur d'autres sites, Asos et tout. Donc j'ai plein de trucs à vous présenter. Je pense que la vidéo sera longue parce que j'ai jamais fait de haul. Je sais pas comment aller monter vraiment et tout. Je savais même pas si je devais faire une voix off et tout. Donc je pense qu'elle sera longue. Mais en tout cas, restez jusqu'à la fin parce que on a du lourd pour les curves. Et les skinny, vous pouvez rester aussi. Parce que généralement, les sites comme Pretty Little Thing, Fashion Nova, quand ils font des trucs pour les minces, ils font la même chose pour les grosses. Ok, pour les grosses, les plus fines, les rondes, voilà. Donc voilà, c'est parti. On va commencer par ce que je porte là tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, je suis sortie. Je me suis fait un peu fraîche, tu vois. Je me suis bien coiffée. Je me suis mis une petite tenue mignonne. Enfin voilà. Alors, pour commencer, j'ai mis un bustier que j'achète sur Asos, que j'ai en blanc, en rose, en gris et du coup en noir. Là, je le porte en noir. J'adore ce genre de bustier, je vais vous montrer. Il est tout simple. Il coûte moins de 8 euros et il est parfait. Tu le mets avec tout. Celles qui sont gênées, parce que moi j'étais gênée par mes bras. Je n'aimais pas les voir parce que j'ai des fermetures, j'ai ça et tout. Donc avant, quand je mettais des bustiers comme ça, je mettais une veste en jean ou un kimono. Ça peut être très joli aussi avec. Mais moi maintenant, non. Quand j'ai chaud, je mets un bustier et fin de l'histoire. Donc voilà, il est simple. Hein. Je vous mettrai les références et les prix en barre d'infos. Voilà, quand ce sera pas disponible, je vous mettrai que c'est pas disponible. Donc voilà. Il est comme ça derrière. Bon, l'étiquette sort, mais il est comme ça derrière. Enfin, il est tout simple et je l'ai en plein de couleurs. Ensuite, en bas, je porte un pantalon que j'ai chopé sur le site Naftigal, que je connaissais pas. De base, je ne connaissais pas vraiment ce site. Je les connais par rapport aux réseaux sociaux et tout. Et j'ai voulu faire une petite commande. Donc j'ai commandé qu'un seul article. Et franchement, pendant le confinement, ça arrivait grave vite. En une semaine, le pantalon était arrivé. Et c'était les pantalons, vous voyez, qui sont à la mode en ce moment, qui ont une fente soit sur le côté ou soit sur le devant. Lui, il a une fente sur le côté, je vous montre. Et il est très taille haute. Et le tissu, j'aime trop. Parce que j'ai commandé le même sur Pretty Little Thing. Le tissu, j'ai détesté. Il était transparent, il taillait petit. Il était mal foutu. Il était pas bien taille haute et tout, sachant que les filles qui, comme nous, il nous faut des trucs qui montent vraiment haut, tu vois. Parce que si t'as un ventre qui tombe et tout, si c'est un truc qui s'arrête trop taille basse, ça montre encore plus, tu vois. Donc j'ai pas du tout aimé celui de Pretty Little Thing, mais celui de Naftigal, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il y a une transe là, sur le côté. Le tissu, il est très élastique. Je suis super à l'aise. Et il monte super haut. Et qu'est-ce que j'allais dire dessus? Et un truc con. Mais depuis que je l'ai acheté, depuis que je l'ai reçu, je l'ai mis au moins 6 fois. Tellement je suis trop à l'aise dans ce pantalon. Il est trop beau. Et je l'avais vu sur une blogueuse grande taille sur Instagram. Et je l'ai commandé et franchement je surkiffe. Et ce genre de tenue là pour l'été, j'aime trop, je mets ça avec des petites sandales ou même mes Air Force blanches ou ça. J'aime trop. Le tissu n'est pas épais de ouf et tout. Donc voilà pour la première pas tenue, parce que je vais pas vous faire des sortes de tenues hein. Je vais juste vous montrer vraiment article par article. Et quand je voudrais vous faire des tenues et tout, ce sera dans des prépare-toi avec moi ou des lookbooks, tout ça. Donc voilà, là on va passer à Pretty Little Thing.
Alors, on est sur Pretty Little Thing, de haut en bas. Ce haut, le style de ce haut, j'adore. Quand je l'avais mis avec un soutien sans bretelles. Là, j'ai remis un soutien avec bretelles parce que j'ai essayé des choses dont j'en ai besoin. Mais ce haut, j'ai trop kiffé. Donc, c'est un tissu qui fait un peu pull comme ça. Pull fin, genre. Les fentes, la longueur de la manche. J'aime trop quand un haut tombe sur mes mains comme ça. En plus, moi, j'ai des très longues mains. Et j'aime trop quand ça fait ça. Genre ce haut-là, je l'ai en orange aussi. Donc, il est ouvert au-dessus et au niveau du ventre. Après, celles qui sont pas trop chaudes pour mettre ça, non, je ne vous conseillerais pas de mettre un truc en dessous, ça fera moche. Donc, vous l'achetez pour faire des photos. Des fois, moi, j'ai plein de vêtements que j'ai là que je vous dirai. Hein. C'est juste pour faire des photos et pas pour sortir avec. Mais moi, je suis sortie avec, je vais l'essayer en orange. Je vais vous montrer l'orange, ce que ça donne sur la peau noire. C'est super beau. En bas, je porte pour eux, ils appellent ça un jogging en simili cuir. Resserré en haut avec des lacets. Ok. Taille haute. Qui s'arrête là. Qui s'arrête au niveau de la cheville. J'ai beaucoup aimé. Par contre, il faudrait que je mette un peu de talc entre les cuisses. Parce que quand mes cuisses se collent, du coup, quand je marche, ça frotte. Je ne l'ai jamais encore mis. Là, je l'ai essayé quand je l'avais reçu. Et là, je l'essaye pour vous. Il y a des poches sur les côtés. J'aime beaucoup. Est-ce qu'avec ce haut ça fait bien? Vous pouvez le dire dans les commentaires. Ça fait bien, ne soyez pas timide. J'aime beaucoup. Ensemble ça peut faire bien. Avec une petite paire de baskets, franchement ça peut le faire. Ou une paire de talons aussi. Je vous essaye le orange avec le même. De toute façon je vais garder le même bas pour tous les hauts. Parce que j'ai acheté, je vais vous dire les bas. Pretty Little Thing, s'il vous plaît, si vous m'entendez, s'il vous plaît, changez de je sais pas si on doit appeler ça de fournisseur ou de couturier, je sais pas. Ils ont changé un truc chez Pretty Little Thing, leur bas. Déjà, je trouve que ça taille plus comme avant. Chez Pretty Little Thing, maintenant je prends que du 50, je ne prends plus de 48, ça ne me va plus. Je pense que j'ai grossi, oui, j'ai grossi. Je prends du 50 parce que moi je suis entre 48 et 50, mais là, je suis vraiment sur Pretty Little Thing, c'est 50, 50, 50. Point barre, et voir il y a des robes où carrément je pourrais partir sur du 52 hein. Parce qu'en fait moi j'ai, on avait ça le bassin ici là, tu vois, je suis Géchard ici, donc voilà. Les bas, j'avais commandé un bas sur Pretty Little Thing, quand tu le voyais sur le mannequin, il était tellement beau, genre en pied de poule gris et noir, fente sur le devant. Je l'ai reçu, déjà il y avait des fils qui traînaient, le pantalon il est mal fait, il est trop taille basse. Quand on est ronde, moi j'ai jamais vu des rondes vraiment rondes porter des pantalons taille basse. Enfin bref, en tout cas le pantalon était trop mal fait et même il y a des trucs, la qualité elle est pas... Tu vois, moi je mise beaucoup sur la qualité du vêtement. Moi j'aime bien mettre des vêtements de qualité. Genre, si c'est un vêtement pas cher, en tout cas, faut pas que ça se voit qu'il n'est pas de très très bonne qualité. Et ce Pretty Little Thing, t'as certains tissus, par exemple le pantalon, il est bien, tu vois, je peux le porter et tout, il est bien. Le pull, je vois que il va, c'est pas un truc qui va me durer énormément de temps. Et même quand je l'ai acheté, le jour où je l'ai mis, il boulochait un peu. Donc je veux pas être très méchante, tu vois, mais j'aimerais bien qu'il change un peu, qu'ils approfondissent sur la qualité du vêtement. Vraiment qu'ils essayent de faire un peu plus de trucs qualitatifs que quantitatifs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, je vais vous essayer le orange et je vous montre. J'ai mis le ventilateur à fond, j'ai trop chaud carrément, je crois que je suis en train de briller là. En orange, voilà, je l'avais déjà mis le orange, même le noir je l'avais déjà mis. Mais regarde-moi ce haut, il est trop beau. Là on est sur le haut d'une curvy sexy, genre, j'aime trop. La couleur et tout, ça va trop bien avec mon teint, j'adore. Trop conne.
Enfin bref. Et toujours avec un soutien sans bretelles ou vous, vous essayez de reculer les bretelles comme ça. Faut pas qu'on les voit. Ça fait pas beau quand on les voit. Voilà pour le orange. Alors, il y a ce crop top là que j'avais déjà porté, donc il y a une tache, je suis vraiment désolée. Je le mets avec ce soutien là, mais sans les bretelles, parce que c'est un soutien aussi avec coque, mais sans bretelles. Je vais enlever des soutiens sans bretelles à la fin de la vidéo. C'est un crop top tout simple, couleur nude, ça va super bien avec la peau noire, c'est joli. Je ne porterai pas avec ce pantalon là, parce que ce pantalon là n'est pas assez taille haute pour que je le mette avec un haut court. Un haut vraiment trop court comme ça. Donc voilà, j'aime bien, c'est simple. Il était pas très cher. Et voilà, je m'en rachèterai des petits débardeurs comme ça. Parce que quand je l'ai porté, j'ai beaucoup aimé. Je me sentais vraiment à l'aise avec. Voilà. Alors là, on est sur du sexy, du Cindy. Genre. Ce haut, donc c'est un crop top. Ok. En tulle, je l'ai pris en taille 50. Donc je vous avais dit, en précipitation, tout est en 50. Resserré aux manches, manche 3 quarts on va dire. Elle aurait pu être plus longue hein, parce que là ça fait comme si c'était un peu sauté. Que je mettrai sûrement bas avec ce pantalon là encore parce qu'il n'est pas de taille haute. Mais j'aime beaucoup. Ce soutien là, parfait pour mettre avec ce genre de truc là. Bon, pour les filles qui sont sexy un peu comme moi. Mais sinon vous pouvez mettre un... Comme le débardeur que j'ai mis juste avant, vous l'achetez en noir et vous pouvez le mettre en dessous pour un peu plus cacher la poitrine et tout. Enfin voilà. Moi en tout cas je le porterai comme ça. J'aime beaucoup. Pour aller en soirée, tout. Pas un mariage parce que sinon le mari des gens va me regarder. C'est pas ça le but d'aller à un mariage. Mais genre pour aller en soirée ou sortir avec des amis ou mon copain. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors là j'ai pris leur t-shirt basique, ok. Ils l'ont en toutes les couleurs. L'année dernière j'avais acheté le noir et le blanc. Donc un qui était noir où il s'était écrit en blanc et un blanc où c'était écrit en noir. Là j'ai pris le rose, par contre j'ai pris une taille en moins que l'année dernière parce qu'il n'y avait plus ma taille. Bon ça va, il est près du corps mais ça va. Genre là c'est du XL. Moi l'année dernière j'ai pris du double XL et il était un peu large, genre un tout petit peu. Et ça allait. Mais même en XL ça va. Ça par contre je pourrais le mettre avec ce bas là. Parce que le t-shirt tombe bien bas et tout ça, un vrai t-shirt quoi. Tu vois. J'aime bien. Je vais montrer l'étiquette. J'aime bien. Simple et fait, vous me croyez, j'ai fini de filmer. Là carrément je suis en train de faire mon montage. Et j'ai oublié ce haut là. Je l'ai trouvé sur mon lit. J'avais fait des piles de vêtements sur mon lit. Et celui-là c'était caché. Donc je vais le mettre au même moment que la que Pretty Little Thing, mais c'est pas filmé au même moment. Mais en gros c'est ce haut là, en plus il est trop beau, j'étais obligée de vous le mettre. J'ai hésité à refaire mais je suis obligée de vous le mettre parce qu'il est vraiment beau. Donc c'est un col comme ça, par contre il se ferme derrière donc ça fait vraiment col roulé. Avec mes ongles j'arrive pas à le fermer. Ça fait vraiment col roulé, manche ballon un peu. Et il est trop beau, j'étais obligée de vous le mettre celui-là. Croc top. Par contre pas avec un truc comme ça. Et lui je vous ai dit c'est le Asos qui est pas assez taille haute pour pouvoir le mettre avec. Et décolleté ultra plongeant. Donc du coup faudrait que je trouve un... Enfin j'ai un soutien où il y a qu'une barre qui passe entre les deux. Je pense que ce sera mieux. Pour les filles qui aiment pas trop les décolletés, je ne vous le conseille pas parce que le décolleté est vraiment décolleté de ouf. Mais le haut je peux dead. Ah celui-là je l'aime trop. Voilà. J'ai trop chaud. Écoutez-moi. Cette robe c'est un fail. Vous voyez cette robe là? Je l'ai vue sur Maeva Guénam. J'avais kiffé. Je m'étais dit c'est sûrement leur truc d'industrie, leur marque qu'elles mettent là. Après j'ai commencé à la voir sur les influenceuses américaines grande taille. Je me dis mais elle vient d'où c'est? Et j'en voyais qui marquait pas d'où elle venait. Après j'ai commencé à la voir sur les influenceuses françaises qui marquaient d'où venait la robe et tout. Et je la voulais de ouf. Je l'attendais de ouf. Je m'étais dit cette robe je vais l'acheter, je vais la mettre de ouf. Genre quand je vais sortir. Un gros fail la robe. Moi je fais 1m80. Ok, je suis grande. Je suis grande mais je m'attendais pas à une jupe aussi. Enfin à une robe aussi courte. Je suis fan du sexy. Mais je suis pas du tout fan du court. Du court non, c'est pas trop mon truc le court, le sexy oui mais pas le court.
Donc je vais vous montrer tout de suite parce qu'elle est très belle. Hein. C'est une robe que j'ai achetée pour sortir, mais finalement, ce sera une robe pour faire des photos à la maison, en studio, ou voilà. Je vous montre. Quand vous voyez comme ça, vous vous dites elle est pas très courte et tout. Mais wesh, c'est un gros fail. Hors de question. Non, wesh, je mets ma main là, comme ça. Je sens là ma fesse. Non. Hors de question, mais sinon j'ai beaucoup aimé. Il y a des gens nus dessus qui font. Je sais pas ce qu'ils font, ils se touchent. Mais je trouve ça vulgaire. Mais enfin bref, voilà, c'est une robe que je vais mettre qu'à la maison, quoi. Qu'à la maison et pour faire des photos. Tu vois. Mais pour sortir, je vais faire deux pas. La robe, elle va. On voit ma soeur là. Voilà, sauf non. Voilà, mais sinon j'ai beaucoup aimé. Donc Pretty Little Thing, faites attention quand vous êtes grande, quand c'est des robes courtes, elles sont vraiment, vraiment courtes. Vraiment, vraiment courtes. Et même ma copine qui est dans les tailles standards, elle s'achète une robe comme ça. Elle était trop courte. Or que ma pote, elle est. C'est une taille standard et elle mesure aller 1m75, 76. Et c'était vraiment rala foufou, non quoi. Donc celles qui prennent des vêtements en taille standard, prenez plus vers les taux, peut-être que ce sera un peu plus long. Voilà. Cette robe. Comme moi je suis une groupie des plus size sur Instagram. Groupie des américaines plus size ou des françaises ou celles de tout le monde. Je suis une groupie. Alors quand je vois un truc beau chez elle, je m'empresse de l'acheter. J'ai vu cette robe, j'ai beaucoup aimé. Et je l'avais commandée en 48. Elle est arrivée trop serrée. Trop serré mais fermé. Je me suis dit mais le 50 normalement ça doit aller, tu vois. Mais en fait le 50 aussi est un peu trop serré. Mais vous savez ce que je vais faire, je vais même pas la renvoyer. Je vais aller chez le cordonnier, enfin le cordonnier, chez la couturière, et elle va mettre sur les côtés deux bandes élastiques pour que la robe soit dans tous les cas, parce que même si je prends du 52, elle serait trop grande sur le décolleté et sur le ventre, et c'est pas ce que je recherche. Et en fait je serai juste plus à l'aise quand je vais m'asseoir et tout. Donc je vous montre, elle est très sexy, par contre il y a une fente de ouf. Mais moi j'aime trop. Là je me vois faire un shooting avec cette robe dans un beau resto et tout. Je l'aime trop cette robe. Donc elle est comme ça, vraiment la tigresse quoi. Voilà. Donc encore l'étiquette. La fente elle monte jusqu'à là. Vous voyez, bon c'est pas c'est près du corps. Mais là, en fait, c'est un peu trop serré. Moi, j'ai trop de hanches, on va dire. Ouais, c'est des hanches, ça va. Des hanches, j'ai pas trop de fesses. Mais j'ai trop de hanches, donc du coup, ça sert un peu à ce niveau-là. Donc du coup, je vais demander à la couturière de m'ajouter du tissu, mais genre extensible sur les côtés pour que je sois plus à l'aise dans les mouvements et tout. Et qu'elle crasse pas quand je m'assois, tu vois. Mais la robe, la couleur, on adore. On adore. J'aime trop. Bien sûr, à mettre sans soutien. Enfin, pas sans soutien, mais avec un soutien en bretelle. Parce que là, ça fait pas beau. D'accord. Non, je peux pas enlever. Je sais pas comment ça enlever. Mais imaginez-vous. De toute façon, suivez-moi sur mon Instagram. Je vais faire des photos et je vous montrerai quoi, ce que ça donne. Ça donne un mode porté bien et tout, avec une vraie coiffure, parce que cette coiffure, j'aime pas trop. Donc voilà, donc là on a fini pour Pretty Little Thing. Donc ce que j'ai à dire sur Pretty Little Thing, tout ce qui concerne les filles qui ont des formes et tout, j'adore parce que ils font des vêtements grande taille, genre stylés. Donc voilà, je suis très très contente pour ça. Mais par contre, c'est juste au niveau de la qualité, il faut qu'ils fassent un peu plus d'efforts. Moi je suis très pointueuse sur la qualité du vêtement. Donc juste ça. Voilà, mais sinon je vous. En termes de taille, moi je prends toujours maintenant une taille au-dessus. Ou je sais pas si j'ai grossi, mais vaut mieux prendre une taille au-dessus que être trop serré dedans. Je vous conseille de prendre une taille au-dessus chez Pretty Little Thing. C'est mon avis. Voilà, et maintenant on va passer à Fashion Nova, mon site préféré de ma vie. Alors là, on est sur Fashion Nova. Fashion Nova, c'est genre c'est ma marque.
Genre, je donnerai tout. Non, je donnerai pas tout, mais je prie tous les jours pour un jour être ambassadrice de cette marque. J'aime trop cette marque. Je commande chez eux depuis 2016. Et j'ai jamais eu une marque où tout ce que je commande, tout me va. Genre, le fit, il est tellement parfait sur les jeans. Genre, il n'y a rien, pour moi, personnellement, il n'y a rien à dire. La qualité. Tu vois, ça se voit qu'ils ont travaillé sur... Ils se sont dit, ouais, faut qu'on prenne des curvies différentes et qu'on voit leur morphologie, comment elles sont, quel type de tissu faut utiliser pour elles et tout. Parce que des fois, tu as des... Comme H&M... Moi, je trouve personnellement H&M, leur jean pour curvy, j'aime pas. Leur tissu est trop rigide et tout. Même sur Asos, t'as certains jeans où le tissu est trop rigide. Il est pas adapté pour des filles qui ont des cuisses, des fesses, du ventre et tout. Et je trouve que Fashion Nova, il s'adapte tellement bien au curvy. Enfin, là, je parle trop. Mais voilà, je vais vous présenter ce que j'ai là sur moi. Donc, le jean que j'ai, c'est un... J'ai commandé 4 trucs. J'ai commandé un seul jean et j'ai commandé 3 t-shirts. Ça a pris énormément de temps à arriver parce qu'on était en période de confinement et tout. Mais ça vaut le détour, tu vois. Donc, voilà le haut avec Notorious B.I.G. dessus. Ils font plein de hauts avec l'image de star comme ça et tout. Moi, j'aime beaucoup les t-shirts à imprimer. J'aime trop les t-shirts en été. Moi, c'est ça que je porte, tous les petits bustiers que je vous ai montrés. Jeans, jupe ou cycliste. Ça passe crème, tu vois, je suis bien. Là, c'est une taille... je suis Fashion Nova, moi, je porte que du 2X. Que du 2X. Et quand je veux un effet oversize sur mon t-shirt, je prends du 3X. Donc, qui est beaucoup plus large. Voilà. Je vous montre le jean un peu. Donc, il monte hyper haut, tu vois, mon jean est là. Il monte jusqu'à là. Donc, lui, ce jean-là, je peux mettre avec des crop tops très courts ou même un peu plus longs et tout. Si je savais faire... Il est trop beau, il m'a, tu vois, il m'a bien attrapé, il m'a gainé, il est trop bien, il n'est pas rigide et tout. Enfin, ouais, donc il s'arrête en dessous de la cheville, il s'arrête vraiment au pied. Il est très slim, très stretch. Si je savais faire le grand écart, ok, j'aurais pu faire le grand écart avec ce jean-là. Quand ils vous font des pubs comme ça, ils mentent pas. Voilà, je vais vous montrer les deux autres t-shirts que j'ai reçus. La qualité des t-shirts, elle est très très bien. Je les ai passés à la machine, même ma mère, elle arrêtait pas de me dire « Ouais, franchement, les t-shirts, elle veut trop que je lui prenne des t-shirts comme ça » parce qu'elle a dit que la qualité était super bien. Donc voilà, par rapport à Pretty Little Thing, je tiens à souligner, la qualité des t-shirts Fashion Nova est mieux. Bon voilà, je vous essaye les autres t-shirts. Donc là, on est sur un t-shirt noir, toujours en 2X. Toujours en 2X, il m'arrive là. Ouais, là. Au niveau des cuisses, je l'aime trop. C'est un noir un peu bleuté. Je trouve qu'il est pas. Vous voyez la différence avec mes cheveux? Il est pas noir. Noir, il est noir bleuté. J'aime beaucoup. Qualité parfaite. Je l'ai déjà porté. Je l'ai déjà mis à la machine. L'image n'a pas changé. Girl in the hood. Voilà, j'ai beaucoup aimé. De toute façon, je vous laisse me suivre sur Instagram, j'ai posté des photos avec. Voilà. Alors là, on est sur mon préféré, Snoop Dogg. Lui, il est en 3X. Vous voyez, le 3X, il va en dessous de mes fesses. J'aime beaucoup. Je l'aime vraiment, celui-là. Celui-là, c'est pas, je l'aime vraiment. Je les aime tous. Lui, il est vraiment noir. Et c'est mon préféré. J'aime trop le bleu et le rouge, ça va bien ensemble. Je l'ai déjà porté. Et le noir, ça va trop bien. J'aime trop. Voilà, là, pour Fashion Nova, c'est fini. Hein. Fashion Nova, de toute façon, 20 sur 20. Toujours. Je suis tout le temps satisfaite d'eux. Voilà. Et donc, je fais un 48-50. Je prends toujours du 2X. Toujours. Alors, quand on était déconfinés, quand les magasins ont réouvert, je suis allée chez Ralph Lauren de Marne-la-Vallée. Je voulais me prendre des t-shirts et des polos. Alors, je me suis pris deux t-shirts côté homme et un polo. Donc ça, c'est le polo que j'ai pris côté femme en XL.
C'est du XL. Des très, très, très près du corps. Donc voilà, il est noir et avec le logo blanc. Donc ça, c'est un du côté de la femme, ok. Ensuite, j'ai pris deux t-shirts du côté homme en taille L. Donc un comme ça, donc avec le gros signe sur le côté. Après, vous avez sinon celui avec le petit signe comme ça. Mais moi, j'aime bien comme ça parce que j'en ai déjà avec le petit signe, tu vois. Donc j'en ai pris un en gris et un en blanc. Donc là, je pourrais pas vous mettre de lien et tout, hein. C'est directement... vaut mieux les acheter à Marne la Vallée parce que vous avez souvent des promos et tout. Voilà, et je l'ai pris en blanc. Blanc avec le signe en bleu marine. J'aime beaucoup mes achats là-bas. J'ai beaucoup aimé. Et voilà, donc pour les t-shirts, j'ai pris du côté homme. Je me sentais plus à l'aise dedans. Le tissu était mieux. Chez la femme, le tissu était trop fluide. On voyait tout ce qu'il y avait, on voyait tout à travers. Et chez la femme, j'ai pris que ce polo là. En taille XL. Voilà. Donc là, on passe sur ASOS. Donc, bon, le bas, c'est toujours le Fashion Nova, mais je vous montre les hauts que j'ai achetés parce que j'ai acheté beaucoup plus de hauts que de bas. Donc, premier haut, c'est celui-là. Donc, c'est pas la marque de ASOS, hein. Celui-là, c'est un Club London, un truc comme ça. J'adore ce haut. Il est donné derrière, donc faut bien que je cache mon soutien. Mais la dernière fois, quand je l'ai mis, enfin, je l'ai jamais mis, mais quand j'avais essayé sans soutien, et sans soutien, ça allait, hein. Tu vois, parce qu'en fait, il est resserré en bas. Donc du coup il tient un peu la poitrine. J'aime trop, je me vois trop faire un shoot avec, genre. Je me vois même sortir avec et tout. Enfin je sais pas avec quel bas. Bon avec le jean noir ça fait bien aussi. Ou un jean bleu. J'aime bien, je le trouve super beau. Il est irisé. Vous voyez. Donc voilà. Et par contre, je crois que c'est une taille 52. Si c'est une taille 52, je le mettrai là. Et genre il est pile poil. Peut-être que je fais du 52 maintenant. Peut-être, je sais pas. Je suis très hésitante. Alors ensuite, j'ai ce haut là que j'aime trop. J'aime trop, je l'ai en noir. Le noir, je l'avais acheté il y a longtemps sur ASOS, mais ASOS ils refont souvent les mêmes choses chaque année. C'est un tôle. En taille 48, moi aussi je prends souvent mes vêtements chez sur ASOS tall en 48 vu que c'est la taille maximum qu'ils font en taille standard d'après eux. J'ai les tall, je prends souvent chez eux parce que vu que je suis grande, bah, j'ai des longs bras et tout, ou des longues jambes, et du coup je prends mes vêtements, mes jupes, mes jupes et tout, je chope souvent chez les tall. Donc lui c'est un tall en 48, regardez de voir comment il est long. Je vous ai dit, j'aime trop les trucs qui sont longs comme ça. Voilà, il est, c'est un crop top, mais pas très court, tu vois. Il est carrément, il est un peu du jean. Et voilà, et je l'ai en noir aussi, j'aime bien, il est simple. Et voilà. Alors là, on est sur un t-shirt oversize que d'autres pourront porter en robe. Si vous êtes petite, moi je suis 1m80, je peux absolument pas la porter en robe. Je l'ai acheté en deux tailles, je l'ai acheté en 50 pour être oversize comme ça. Je vous montre, elle m'arrive à ouais au milieu de la cuisse, mais tu vois au moindre faux pas si je me baisse je peux pas la mettre sans rien. Donc j'ai acheté ce t-shirt là pour le mettre avec mes cyclistes, ok. Je l'ai acheté pour mettre avec mes cyclistes et j'ai acheté le même haut en taille 52 en me disant que ouais il sera un peu plus long, donc du coup je pourrais le mettre en robe avec un fictice plus court en dessous. Mais c'est vrai que je peux faire ça, mais ça servait un peu à rien de faire ça en fait. Donc je l'ai en deux fois, je l'ai en 50 et en 52. Mais j'aime bien les hauts collusions, la qualité de leur t-shirt j'aime beaucoup, la longueur j'aime bien, la coupe elle est droite, j'aime bien. Enfin j'ai rien à dire, c'est un t-shirt noir quoi. Voilà tout. Alors là on passe à une jupe que j'ai achetée
avant le confinement. Donc avant le confinement, il faisait un peu frais, tu vois. Donc je m'imaginais la porter quand il faisait vraiment frais, tu vois, ou en soirée, pour sortir le soir, tu vois, quand il fait froid. C'est un style de jupe que j'aime beaucoup. C'est un tissu en laine, de façon. On appelle ça côtelé, je crois. Non, pas. Ouais, plus que côtelé, c'est vraiment comme de la laine, quoi. Comme un tissu. Enfin, un tissu pull, quoi. Et en blanche. Et donc voilà, je vous la montre. Mais je pourrais pas la mettre là, vu que. Ouais, ça arrête. Elle s'arrête en bas du mollet. Et moi j'aime trop les jupes comme ça quand il fait un peu frais. Je mets ça avec soit un haut court ou même un body, un blazer. J'aime trop les jupes en laine comme ça. Bah là c'est mort hein, parce qu'on était confinés. Quand on était confinés, bon, il faisait chaud et des fois il fait froid, j'aurais pu la mettre, mais là je peux plus la mettre. Donc ce sera pour cet hiver. Voilà, mais je vous mets quand même le lien. Ensuite on passe à une autre jupe que j'aime beaucoup. Sur le mannequin l'a porté avec un haut un peu rock. Donc c'est une jupe léopard, je vais vous montrer. Elle a porté ça avec un haut un peu rock qui avait rien à voir avec la couleur de la jupe. Moi je comptais mettre ça avec un haut aussi un peu rock façon. Et mes bottines noires, genre je voulais créer un style un peu rockeuse. Mais mes bottines noires je peux pas les mettre quand il fait chaud, mettez pas des bottines. Je les ai mis la dernière fois, c'était mort. Donc il faut que j'essaye de voir un autre look avec, mais j'aime beaucoup cette jupe. C'est une jupe léopard. Mini, mais pas trop mini non plus. Voilà, qui monte bien haut. Elle monte bien haut. Voilà le tissu. Et là, je vous montre toute ma vie. Voilà. Je vous mets le lien, je l'aime beaucoup. Je la trouve super, 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 super belle. Voilà. De toute façon, suivez-moi encore une fois sur Instagram, vous verrez les looks que je fais avec. Pour finir avec ASOS, c'est un jean que je porte sur ASOS. Quand je prends des jeans de la marque ASOS, je prends que les jeans Ridley. Donc faut bien regarder, enfin après vous prenez ce que vous voulez, mais les Ridley c'est les jeans avec le plus d'élasticité. Tu vois, et moi je cherche des jeans bien élastiques où je me sens à l'aise, ou quand je m'assois je suis pas serrée de ouf, tu vois. Et lui je l'aime beaucoup, je l'avais déjà porté une journée, j'avais fait une photo avec sur Instagram. Il est déchiré au genou et le bas du jean c'est un peu déchiré, enfin il est coupé et genre il y a des petits fils qui sortent, des tout petits fils. C'est un taille haute, mais taille haute standard. Hein. Il ne monte pas aussi haut que le jean Fashion Nova, vous voyez. Il ne monte pas aussi haut. Mais il est bien, hein. Franchement, il est bien. J'aime bien. Moi, c'est toujours ces jeans-là que je prends sur ASOS. Que ce soit en noir, en bleu, en gris, c'est toujours des Ridley. Donc, si vous voulez trouver des Ridley sur ASOS, vous tapez Ridley dans la barre de recherche et il va vous sortir tous les jeans Ridley, que ce soit en taille standard ou en taille plus size et tout. Voilà. Alors, on est sur la fin de la vidéo. Je vais vous montrer quelques petits trucs, petites astuces. Alors, déjà, je vais vous montrer des articles. Donc, ça, c'est des collants résis que j'ai reçus de AliExpress. Ok, vous en avez sur ASOS aussi. Mais sur AliExpress, bon, c'est moins cher et tu peux t'en acheter plein. Donc ces collants-là, tu peux faire du 60 en taille. Ils montent très haut. Je vous mettrai un lien, le lien où je les ai pris. Ça a pris un peu de temps à arriver parce qu'on était aussi en confinement. Mais voilà, ça vaut grave le coup de vous en acheter plusieurs. Et voilà, moi je mets ça avec des jupes qui sont quand même assez longues. Genre au-dessus, un tout petit peu au-dessus du genou ou en dessous du genou. Ou des cyclistes. Genre je mets ça et après je mets un cycliste par-dessus. Mais je mets pas de trucs très courts avec des collants résis comme ça. Je trouve ça un peu trop osé, même si je suis une cycliste. Et ou sinon sous les jeans. Donc sous ton jean taille haute, tu peux faire ressortir le rési au niveau de ton ventre ou au niveau de ta cheville. Tu mets des petites baskets et tout, ou même des talons, ça passe crème. Voilà, et ensuite je vais vous parler de soutien-gorge parce que ça c'est une question.
que je reçois tout le temps. À chaque fois que je mets au bustier, on me demande mais comment tu fais parce que tu as une forte. Bon, là j'ai pas de soutien donc on va pas montrer. Voilà. Mais comment tu fais pour mettre des hauts bustiers sans bretelles, avec une forte poitrine et tout, néal. Donc moi j'ai commencé par un soutien. C'est la marque City Chic, je crois. Je vous mettrai la marque là. De toute façon, je vous mettrai le lien. Ce soutien-là, tu peux le trouver sur Zalando. Moi, je l'ai acheté deux fois sur Zalando et une fois sur Asos. Je l'ai acheté en plusieurs fois parce qu'il faut savoir que moi, je mets tout le temps des cols bateaux, des trucs. Donc, pour alterner et pas mettre tous les jours le même soutien, ben, j'étais obligée d'en acheter plusieurs. Donc là, celui que j'ai sous la main, je vais vous montrer mon soutien que je porte tous les jours. C'est trop bizarre. Donc voilà, il est comme ça. Ok. Donc c'est ce que j'avais tout à l'heure. Vous voyez, c'est un soutien avec une coque. Ok. Il est vraiment balconné. Tu vois, c'est un soutien balconné. Alors, sur les côtés. Bon, lui, c'est le premier que j'ai acheté, donc il est un peu niqué. Ne vous moquez pas de moi. Ici, vous avez un truc, tu vois. C'est un élastique, en fait. C'est pour vraiment bien. Tu vois que ça accroche bien, tu vois ce que je veux dire. Voilà, et comme ça la bande de derrière elle est assez large, tu vois, donc ça te prend bien dans le dos, ça te fait pas de plis ou tu vois le bourrelet le bourrelet qu'on peut avoir là et tout, ça te le cache et tout. Et franchement, ce soutien, il est trop trop bien. Et en plus, il est de très bonne qualité. Tu peux mettre ton truc soit là, soit là. Et derrière, tu peux mettre caca un seul endroit. Ici, t'as une bande anti-dérapage. Il est trop bien, ce soutien. Il est trop bien, franchement, 10 sur 10. Et nouvelle petite trouvaille que j'ai trouvée il y a 2 semaines. Donc je suis allée sur le site de La Redoute, j'ai commandé des sous-vêtements, donc des soutiens et des bas et tout, Néana. Et j'ai vu qu'il y avait ce soutien-là. Il a aucune gueule, hein, quand tu le vois comme ça. Et moi, regarde comment il est long. Moi, je fais entre un 115-120. Bon, là, c'est du 120, mais il est un peu grand. Je suis entre un 115 et 120 FG, tout dépend des marques. Là, j'ai pris un 120F, mais il est un peu grand sur le truc, mais ça va, tu vois. Enfin, bref, ça aussi, c'est un soutien avec bretelles amovibles. Ok. Alors, sur les côtés, là, tu vois, tu as les deux bandes. Dans l'autre, tu as une bande. Ici, tu as deux bandes. Donc, tu vois, tu en as une là. Ici, t'as un truc, je sais pas en fait pourquoi ils ont mis ça, mais ça aide trop. En fait, ça aide ton sein à rester vraiment là, de ce côté-là. Ils t'ont mis une bande en satin, en fait, pour pas que ton sein, genre, il tombe trop dans le creux et que ça plonge. En fait, c'est vraiment fait pour les, je pense, pour les seins qui tombent, tu vois. T'as une bande adhésive là. Ok, il est sans coque. Moi, je trouve que c'est bien sans coque parce que du coup, vu qu'il fait chaud, mon haut là, quand je vous l'ai montré, j'avais ce soutien là. Je trouve qu'on voit moins la forme du coup du soutien et tout. Par contre, ce qu'on voit, c'est ça. Genre, comme je sais pas comment vous expliquer, mais ça là, les baleines d'en haut. Ben, elles sont trop, je sais pas, ils l'ont fait trop haute. Du coup, ça lève un peu ici, mais bon, c'est pas. Moi, je calcule pas. Après, si vous êtes vraiment minutieuse et tout, vous voulez pas aucun défaut sur votre décolleté, ben, ouais. Ça se voit un peu. Et dans les commentaires, quand je l'ai acheté, j'avais vu que des gens se plaignaient de ça. Mais moi, ça me dérange pas plus que ça. Donc, voilà, il est comme ça. Genre, je le mets comme ça. Il me monte pas des seins comme si j'avais des seins refaits, mais ça les monte un peu, hein. Ça les soutient quoi. Moi j'ai pas besoin que mes seins soient genre tout en haut, hein. C'est juste histoire de les soutenir, juste un peu quoi. Donc voilà. Après, moi je suis une grande testeuse de soutien sans bretelles, vu que j'aime bien mettre des choses nues au niveau des épaules. Quand j'en testerai tout le temps, à chaque fois que je vais recevoir, je vais trouver des soutiens et que. Là je suis sur une piste d'un autre soutien, mais je vous en parlerai quand je vais le recevoir. À chaque fois que je ferai un haul ou un habito avec moi, je vous parlerai. Je sais que ça peut être long sur certaines vidéos, mais je suis obligée de vous montrer un peu tout.
Et voilà, j'ai un peu trop parlé. Mais en tout cas, cette vidéo est terminée. Si vous êtes là, encore là maintenant, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. S'il y a un truc qui ne vous a pas plu, n'hésitez pas à me DM sur Insta ou me marager sur Snapchat. Donc, je vous mets mon Insta et mon Snapchat parce que je suis très proche de ma communauté, surtout sur Snapchat. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me demander des informations, ce que vous voulez voir de plus et tout. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et sentez-vous belle. Aimez-vous. C'est vraiment le mot que je vais vous dire après, à la fin de chaque vidéo. C'est vous commencez par vous aimer avant de vouloir que les gens vous aiment et tout. Vraiment, faut avoir de l'amour propre, c'est super important. Et voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi. Gros bisous. Et à la prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera un make-up. Voilà. Gros bisous. Mouah.